Eh bien, bonjour à tous les amis et bienvenue en ce mardi 19 décembre. Alors voilà, aujourd'hui c'est le retour de la pils. Donc voilà, je rigole, c'est pas forcément une pils. Donc voilà, je ne sais pas si cette bouteille vous dit quelque chose, hein, voilà, de la fameuse Camden, version Hell's Lager. Donc c'est une blonde, en fait, c'est la Camden version blonde. Et voilà, pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu le calendrier, j'ai regardé justement, voilà, le numéro 8. On avait eu justement la petite Camden version Pale Ale. Voilà, je pense que ouais, elle avait un bon petit goût celle-là parce qu'elle était à 4-5 degrés. 4 degrés c'était, et franchement, allez voir l'avis que j'ai laissé. Bon, après les notes, hein, on s'en bat un petit peu les couilles puisqu'on a eu plus que des pils, donc j'ai plus mis de notes sur les pils. On a eu la fameuse Bush à 12 degrés, voilà, j'ai pas mis de notes dessus, mais bon, voilà. Vous avez plus ou moins mon avis ou même mon ressenti par vidéo. Donc on avait eu la Pale Ale et là, ben voilà, ils ont dit, bon, on leur a mis la Pale Ale. J'aurais mis l'inverse, moi, voilà, j'aurais peut-être mis la version classique en premier et ensuite j'aurais mis la Pale Ale, quoi, à la limite. Mais bon, donc on va déguster ça directement, hein, voilà. La capsule, c'est toujours la même, voilà, toujours nickelou. Voilà, j'ai allumé un spot dans ma gueule, enfin, ça change rien pour vous l'éclairage, puisque d'habitude il est aussi allumé, mais j'ai une lampe au-dessus qui a une ampoule qui a claqué la 5 minutes. Juste avant d'enregistrer la vidéo, j'en ai plus de réserve, donc du coup, j'ai rapproché un petit peu la lampe que je mets d'habitude, et voilà. Donc la petite Camden version Halland, une bière anglaise, hein, voilà pour rappel. D'ailleurs, j'avais même dit, si on va en Angleterre, c'était une brasserie près de Londres, ouais, c'était ça, une brasserie près de Londres. London, et j'avais dit, ben, si on va là-bas, à la limite, ben, on pourrait se boire ça, une petite Pale Ale là, 4 degrés et tout. Ben, au final, on va voir celle-ci qui est, elle, à 5 degrés, si j'ai bien vu. Ah non, 4,6 degrés celle-là. Donc voilà. Alors regardez, hein, petite bulle tranquillou, une blonde claire, claire, voilà. C'est une des très claires comme on avait déjà eu. Bon, ben, ça sent la bière blonde classique, je vais pas dire la pils. Par contre, ça pétit très léger. Hein. Ouais, très léger, ça n'a pas fort de goût. Au final, la Pale Ale avait un petit goût meilleur, on va dire. Voilà, quand tu connais peut-être que celle-là peut passer. Mais c'est moins fort qu'une Jupiler ou qu'une une bière classique, on va dire. Ou même que les Pils. Enfin, j'ai eu des Pils, c'était de l'eau. Mais voilà, une bonne bière. On dit Jupiler, mais ça peut être autre chose. Hein, voilà. Des bières à 4-5 degrés, voilà, il y en a des très bonnes. Mais là, franchement, elle a pas de goût. Voilà, elle a pas de goût. Elle se laisse boire bien fraîche, c'est juste pour dire de te rafraîchir. Donc voilà, en fait, la Camden Ale Lager est conservée 4 semaines en réservoir, le temps que ses arômes et ses saveurs soient parfaits. Réalisée en Angleterre avec de la levure bavaroise et des houblons perles, Alerto et Tradition, donc c'est trois styles de houblon. C'est une bière blonde à la robe jaune pâle, surmontée d'une fine mousse blanche. Au nez, elle dégage des arômes de malt, de grillé, de houblon, d'herbe et d'agrumes. Bon, non, ça sent. Hein, je saurais pas vous dire. Franchement, je saurais pas vous dire. Ça sent comme de la pils, on va dire. Hein, ça sent la bière légère, blonde. Voilà, même la cuvée des trolls de hier, tu sens que c'est déjà une bière meilleure, quoi. Voilà, après, Jupiler, faudrait qu'on... Voilà, je vous ferai une dégustation. Bon, à moins qu'il y en aurait une dans le Berry Christmas, hein, on ne sait jamais. Mais je vous ferai une dégustation, enfin, je ferai une vidéo, voilà, à l'occasion. Une dégustation d'une Jupiler, pour vraiment, parce que ça fait quelques années que j'en ai plus bu. Et voir un petit peu, ben, voilà, comme on est dans les moments de la bière et tout, voir un petit peu mon ressenti sur une Jupiler à l'heure actuelle. Voilà, donc au nez, en bouche, on y retrouve des saveurs d'herbe, de malt, de houblon, de céréales et de fruits. Bon, les fruits, je sais pas où ce qu'ils les ont mis, mais ça sent pas du tout le fruit, que dalle. Légère et croustillante, elle possède des attraits rafraîchissants menant vers une finale subitement amère. Robe jaune pâle surmontée d'une fine mousse blanche, arôme de malt, de... Niveau d'amertume, 1 sur 5, ouais, douceur, 4 sur 5, ouais, même 5 sur 5, franchement, douceur... Voilà, et puis en dessous, tu as les produits conseillés par rapport à cette bière-là. Tu as la fameuse bière, la Beck, la Burke, qu'on avait eu
Je sais plus quel jour, moi je sais plus les numéros, j'oublie à chaque fois. Déjà la Camden version PLL, j'ai dû chercher après. Du coup, j'ai ouvert toutes les cases, ouvert puisque je remets les bouteilles vides rincées à l'intérieur pour vous faire une conclusion. J'ai ouvert toutes les cases et tout, et bien sûr, c'est la 8 que j'ai ouvert en dernier, quoi, voilà. Donc voilà. Alors les gars, il n'y a presque plus d'anecdotes sur le fameux calendrier. Et comme je vous avais dit, il en reste 3. 3 en comptant moi, et moi, comme je vous en ai déjà raconté quelques-unes et tout, voilà, je ferai un petit épisode spécial ou machin pour le dernier jour. Voilà. Petit apéritube, voilà, qui reste de samedi passé du live. Voilà, avec ça, ça c'est un petit goût de herbe, tu vois. Voilà, donc aujourd'hui ce sera encore un petit épisode. Mais je voulais juste vous montrer, voilà, je ne vais pas faire des épisodes pour ça. Parce que ça date de là, disons, hein, combien d'années déjà? Ouais, il laisse le suspense, tu vois, il monte pas. Mais attends, il n'y a pas une date dessus. France, Belgique, blablabla. Sérieux, il n'y a même pas une date dessus. Là, peut-être. Sérieux, il n'y a pas de date. Ah voilà. En 1995. Donc ouais, ça fait longtemps. Ça fait plus que 10 ans en fait. Ça fait 22 ans, sérieux les gars. 22 ans. 22 ans. Ah. Donc voilà, à l'époque, j'étais. Enfin moi j'étais beaucoup plus qui était. Voilà, on parle. C'est des bouquins. Dans les bandes dessinées et tout ça, bon, il y avait les fameux Astérix. Alors là, je kiffais les bandes dessinées de Astérix, comme les dessins animés qu'on avait à la télé, les petits téléfilms animés. Après, il y avait les Tintins. Voilà, Tintin, en plus, nous en Belgique, c'était Tintin, le reporter belge et tout. Donc voilà, tous les Tintins, j'ai passé ma jeunesse là-dedans. Et alors, d'un autre côté, il y avait aussi le Spirou. Voilà, et moi, Spirou, voilà, Spirou m'a jamais attiré, en fait. Je sais pas, il était chelou, le mécrou avec son chapeau rouge et tout. Enfin, je sais pas, c'était chelou. T'avais, que ce soit en bande dessinée ou même les animés, voilà, les animés, c'était plus des styles de... Je vais pas dire des styles de James Bond, mais des trucs enquête et tout, des dessins. Je préférais vraiment bien regarder un Tintin, hein, les aventures de Tintin sur France 3. Vous avez connu ça, hein, avec les épisodes en plusieurs parties. Nous, on les avait déjà sur des chaînes belges et ils passaient tout en un coup. Nous, on n'attendait pas les parties de 20 minutes. Et voilà, et puis il y a eu il y avait les bandes dessinées classiques de Spirou, donc pas les couilles. Puis il y a eu le petit Spirou. Alors le petit Spirou, voilà, je vous montre le petit Spirou. Voilà, lui j'ai kiffé, j'ai pris les premières bandes dessinées et tout. Il y avait les fameux Léonard aussi, hein, Léonard, ça c'est les méchantes bandes dessinées. Dès que je regarde, j'en ai ouvert quelques-unes à l'occasion. Mais voilà, donc c'était le petit Spirou, voilà, quelques bandes dessinées. Alors à savoir, c'est comme les Donald, les Mickey, les Picsou Magazine et tout, ben, il y avait un Spirou Magazine. Et pour le numéro 3000, qui lui est sorti en 95 du coup, et encore la date je l'ai vu derrière le CD, voilà, ils nous ont fait en fait un bouquin avec un CD, où voilà, c'était Spirou 3000, le CD, la première BD à lire avec les oreilles. Donc en fait, vous aviez les bandes dessinées à l'intérieur, bah comme tous les magazines de Spirou, hein, voilà. Et tu mettais le CD dedans, hein, CD audio classique, et par piste, tu pouvais, tu avais les voix des personnages et tu suivais la bande dessinée, en fait, voilà, tu n'avais pas besoin de lire, en fait. Tu avais l'image et tu avais le support audio. Attendez, est-ce que j'ai fait tomber les livres? Tu avais le support audio et moi, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à connaître. Ben, des histoires au format audio sans forcément avoir besoin d'images. Ce qui est un petit peu arrivé en 2000, je sais plus combien là, avec le donjon de Nullbuck. Voilà, le donjon de Nullbuck, quand il est arrivé et tout, c'était des petites histoires audio et tout. Et les BD sont arrivés après, voilà, c'est après avoir fait une saga audio, des sagas MP3. Voilà. Là, c'est des formats exprès. Et écoutez, il n'y a pas besoin d'avoir d'images ni rien. Et voilà, j'avais Nullbuck, j'avais plein de sagas MP3. Et puis, ben, avec les années qui ont passé, ben, je suis retombé sur les fameux Spirou 3000. Et ben, rien qu'en écoutant le CD, voilà, bon, les images, je les connais depuis 10 ans. Hein, voilà, il y avait les fameuses histoires de... Ah, comment c'est celui-là? Pierre Tombal. Voilà, les fameuses histoires de Pierre Tombal. Alors, tu lis la BD de Pierre Tombal, tu vois, t'es tranquillou, mais quand t'as l'ambiance sonore, la petite musique et tout, franchement, c'est vraiment stylé. Donc, moi, les formats audio, j'ai vraiment connu avec ça à l'époque. À savoir qu'il y avait, voilà, le numéro 3000 avait un CD, il y avait des bandes dessinées,
Mais alors, voilà, pour vendre aussi à l'époque, les trois ou quatre dernières pistes du CD, c'était pour des bandes dessinées des bouquins suivants, 3001, 3002 et 3003, voilà, qui sont sortis 2 semaines après à chaque fois, je pense. Et d'ailleurs, il y a une page dans le livre, il est marqué, voilà, cette BD est à lire avec le CD disponible dans le numéro 3000. Et à l'époque, moi, j'avais pas. Voilà, j'avais juste le numéro 3000 et j'avais pas le 3001, 3002, 3003. Voilà, moi, c'est juste le numéro spécial 3000. Et du coup, il y a 3 ou 4 pistes audio, voilà, ça, c'est une petite anecdote, voilà, où j'avais pas la bande dessinée de base ni rien, où j'avais dessiné moi-même, voilà, un peu à l'arrache, hein, j'étais petit et tout, mais c'était là 22 ans, les gars, j'avais dessiné, voilà, moi-même, des petits bonhommes, tu sais, quand tu fais des petits bonhommes, hein, un petit rond, une petite tête, un petit nez. J'avais fait des situations par rapport à 3 ou 4, les 2-3 bandes dessinées qu'il y avait sur le CD audio sans avoir les images. D'ailleurs, je sais que je les ai encore, je ne les ai pas jetées. Elles sont peut-être dans des caisses dans ma cave ou je sais pas. Quand je vais déménager l'année prochaine, je vais essayer de les retrouver. Ils sont peut-être dans des chemises plastiques, dans une farde. Ils sont quelque part, ça je sais que je ne les ai pas jetées. Parce que j'ai réfléchi ici, mais je sais que c'est pas acheté. Ça, je vous les montrerai un jour, franchement. Et on pourra comparer, façon de parler, hein, avec ce qui est sorti récemment après. Mais voilà, donc ça, c'est juste un petit clin d'œil pour moi. Voilà, de toute façon, je pense que déjà, moi, voilà, le 3000, c'est pas le livre d'époque. C'est un que j'avais racheté sur eBay. Je les avais eu pour 3-4 euros. Et après, voilà, j'ai pris 3001, 3002, 3003 pour dire d'avoir complet. Et voilà, bon, maintenant le CD, il est ripped to MP3. Dans mon PC, voilà, comme ça, tranquillou, j'abîme pas le CD. Et souvent, j'écoute les petites histoires en style saga MP3. Voilà, j'ai pas besoin de lire la bande dessinée et tout. C'est vraiment stylé. C'est un truc que j'avais fait aussi avec Kaamelott, par exemple. À force, j'ai regardé les épisodes pendant des années et des années et des années, tous, même le livre aussi, hein, voilà, le tout dernier avec les épisodes de 40 minutes. Et à force, je les connais tous par cœur encore maintenant. Et moi, rien que la piste audio, voilà, j'ai des MP3, voilà, format audio. Des épisodes de Kaamelott et tout comme ça, et moi voilà, le bruit sonore, ça me suffit, et j'ai l'image automatiquement dans ma tête. C'est voilà, je sais pas si vous avez des trucs comme ça, vous écoutez juste l'audio, vous suffit, mais voilà, ça peut être, voilà, c'est comme des sagas MP3 que j'écoute tout le temps, dans le bug, c'est la même chose pour moi, c'est voilà, c'est magique. Donc bah, écoutez, sur cette petite tandem qui est bonne mais qui n'a pas de goût, donc, voilà, c'est comme je disais au début, c'est la pils du jour, voilà, c'est la pils du jour. Alors après avoir eu une Bush, je sais plus comment elle s'appelle, la bouteille est là, elle n'est pas encore rincée, du coup, la fameuse Petrus, et après la cuvée de Troll, on repasse à ça, ouais, c'est sûr que c'est pas du bien joué, 19, il nous reste 20, 21, 22, 23, 24, il en reste 5 du coup, jusque dimanche, donc j'espère que ça va compenser. Le restant, il faut vraiment qu'il nous envoie du lourd de chez lourd, parce que sinon, ça va, c'est pas du bien joué. Donc, on ira noter le site officiel du fournisseur même qui l'ont créé, et on ira mettre un avis, on verra bien un avis négatif pour dire que c'est pas du bien joué. Donc, sur ce, les amis, je vous dis à demain, mercredi. Je vais essayer de vous mettre la rediffusion du live, d'ailleurs. Donc elle arrivera dans ces jours-ci, voilà. Si c'est déjà pas disponible, donc je sais pas. Donc je vous dis à bientôt, à demain et ciao ciao. Voilà, sur la pelisse. Allez, ciao ciao et à demain.